Dernier rapport du véhicule commercial Nostromo. Troisième officier au rapport. Les autres membres de l'équipage. Kane. Lambert. Parker. Brett. Ash. Et le capitaine Dallas sont morts. Tout va bien. La cargaison et l'appareil détruits. Je devrais atteindre la frontière dans moins de 6 semaines. Avec de la chance, le réseau devrait me repérer. Ici, Ripley. Ripley, c'est ça. Dernier survivant du Nostromo. Terminé. Pourquoi je fais ça? Vraie question. Pourquoi je suis en train de faire ça? C'est mal. Ne faites pas ça. Ne reproduisez pas ça chez vous, c'est dangereux. Sachant que je fais de la tachycardie, je vais avoir une putain d'attaque un jour. Ripley? Mon nom est Samuels. Je travaille pour la compagnie. C'est au sujet de votre mère. On pense peut-être l'avoir enfin retrouvée, Amanda. C'est un vaisseau de commerce appelé l'Anessidora qui a récupéré ce qui semble être la boîte noire qui a enregistré la fin du Nostromo. Où ça? Zeta Reticuli. Et ça disait quoi? Nous l'ignorons. L'enregistrement a été envoyé à la station Sébastopol. C'est un document qui appartient à la compagnie. Elle veut qu'il soit récupéré le plus rapidement possible. Sébastopol est un dépôt de ravitaillement dans la région. C'est une plateforme d'accès libre. Je sais ce que c'est. Ok. Le transfert est déjà arrangé. Il y a un vaisseau coursier, le Torrens, qui croisera notre route dans 2 jours. Notre voyage vers la station... Notre ? Moi et un autre employé. Et vous, si vous le souhaitez. Écoutez, Ripley, quand ce dossier est arrivé sur mon bureau, j'ai parcouru tout son historique. J'ai compris pourquoi vous avez choisi de travailler dans la zone où elle a disparu. Vous la cherchez encore, n'est-ce pas? J'ai obtenu le feu vert pour vous offrir une place pour ce voyage sur le Torrens. Ça ne dépend que de vous. Peut-être que ce sera l'occasion de tourner la page. Veuillez excuser les gens derrière qui gueulent. Bien. Ok. Ok. Super. Et ben déjà, je dois dire que c'est stylé. Et ça, c'est très stylé. Très bien. Qu'est-ce que... Très bien. Je me connecte avec une floppy disk, tout va bien. Ok. Ah d'accord, j'ai juste ouvert la porte. Bien. Donc techniquement, là, on est encore dans notre vaisseau, donc tout va bien, on n'a pas à s'inquiéter. D'accord, donc tout le jeu, ça va être des couloirs comme ça, donc. Parfait pour se faire poursuivre, j'ai envie de vous dire. Un véritable plaisir, finalement. Objectif, habillez-vous. Oui, parce qu'en effet, là, on est un peu à poil. Bref, alors, accès au terminal. D'accord. Tac, tac, tac. On va
Ouais, ça c'est juste des trucs qui parlent de... d'entreprise, etc. Ça roule. Ok. Wally, donc, très bien. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, d'accord, j'ai juste éteint la télé, tout va bien. Un Pit-Boy de Fallout. Ça me tue. Qu'est-ce que c'est que ça? Une douche, c'est ça? C'est ça. Prenons notre douche avec notre t-shirt, tout va bien. Où sont mes vêtements? Dans ce casier? Ok. Nice. Je vois les gens dans le chat en train de rigoler intérieurement. Je vois. J'ai confiance. D'accord. Ça s'ouvre pas, ok. En tout cas, c'est très exigu. Hein. C'est, ça fait juste notre hauteur. Tu fais 1m60, c'est fini. Ok. Ah. Il y a notre pote que visiblement on n'aime pas trop. Parfait. Bonjour. Samuels, vous êtes déjà debout? Eh bien, je n'ai pas autant besoin de... Stop. Sommeil que vous tous. J'étais justement en train d'inspecter les installations du Torrens. C'est un vaisseau bien entretenu. Je viens de réaliser que c'est un modèle très similaire au... Au Nostromo? Oui, classe M. Un modèle un peu plus récent, mais aux spécifications similaires. J'ai fait des boulots de méca sur des... C'est faible pour moi aussi. Est-ce que tu l'aurais réveillé? Elle manque d'expérience en matière de voyage. L'hypersommeil ne lui a sans doute pas fait du bien. Je l'ai pas vu. Je vais la rejoindre. D'accord. Ah, on vient de se réveiller. Ok. On vient de se réveiller. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, stylé! Ouais, pas mal ça! Par contre, on clique sur rien, hein, je sais pas. D'accord, et ça le remet, ok. Non, mais c'est trop stylé ça! Petit rangement chirurgical, comme on aime. Bien. On va aller chercher quelqu'un. Est-ce qu'on a un livre de mission ou une... quelque chose qui nous parle ou j'en sais rien. Explorer le Torrens. Voilà. Bon bah on explore le Torrens, tout va bien. Putain, faites pas ça, hein. Commencez pas, hein. C'est grand, hein, la vache. D'accord, il y a des postes à souder au milieu du... au milieu du chemin, tout va bien. D'accord, et là c'était l'autre chemin, donc on va essayer d'aller en face. Ok, j'ai une barre de vie, ça veut dire que je peux prendre des dégâts. C'est bon à savoir. Ça veut dire qu'on peut peut-être se fight avec l'alien sans pour autant mourir. Ça, ça m'arrangerait vachement. Même si bon... Non. De bon dans cette journée, et je pense pas qu'il fasse jour non plus. Pardon. Bah on est dans l'espace, donc effectivement. Je sais pas comment vous arrivez à supporter de vous mettre en hypersommeil si souvent. On s'y habitue. Je fais pas trop de longs voyages. Sous texte, on n'a pas le choix. La plupart des employés dans le secteur légal vont rarement plus loin que la machine à café. Ça m'étonne que Wayland Yutani ait embarqué une juriste. La perte du Nostromo et de sa cargaison ont coûté beaucoup d'argent à l'entreprise. C'est important qu'on découvre ce qui s'est passé. Si j'arrive à boucler l'affaire avec un rapport d'accident concluant, mes supérieurs seront contents de moi. Désolée, ça manquait un peu de tact. Je me rends compte que ta mère est portée disparue depuis 15 ans et que toi, tu... C'est pas grave. On y trouvera chacune notre compte, pas vrai? T'as vu Samuels? Ça doit faire des heures qu'il est levé. Parfait. Et alors, c'est mal?
arrivé. Ok, let's go. Par contre, vraie question. C'est molletonné comme ça dans les stations, genre l'ISS ou quoi? Parce que... c'est genre giga protégé, tu vois. On dirait que tout est en mousse, tout est en coussin pour éviter les chocs ou quoi. Très bizarre. Bonjour. Stylé. Welcome aboard, Captain. On est dans Star Citizen. Bonjour. Je suis Bounty Hunter. Où est la prochaine mission? À qui je dois parler? Ah, on attend quelqu'un, d'accord. Ok, bienvenue à ceux qui rejoignent, bienvenue à vous. Vous avez tous fait bon voyage. Pour un vieux classe M, le Torrens est en très bonne forme. C'était une épave quand je l'ai acheté. Ça m'a pris des années et beaucoup de contrats pour le retaper. Aujourd'hui, il est bien rentabilisé. Vous avez dit qu'on approchait de la station Sébastopol. Est-ce qu'on va s'amarrer? Votre contact est le Marshal Waits, si je ne me trompe pas. Je vais prévenir Sébastopol et arranger le débarquement avec lui. Bien, c'est parti, au boulot. Vous inquiétez pas, Mademoiselle Taylor, mission de routine. On fait un genre de Faucon Millenium en somme, quoi. Chargé, calibré, vecteur d'approche verrouillé. Prépare les coms que je les salue. S'il le dit. Est-ce que vous avez tous pris vos documents de briefing? Vous pouvez observer l'approche sur les écrans. Sérieux? Sont où les écrans? C'était où la PS5 Plus? Fais voir. C'est ça les écrans? C'est où les écrans? Il est où mon poste à moi? S'il fait. Putain, c'est un zombie lui. La vache, il y a deux de tension. C'est ça mon poste? C'est ça mon poste? C'est quoi mon poste? C'est quand même con de mettre... ça me tue ça. C'est quand même con de mettre deux vitres sur le côté, mais de pas voir ce qu'il y a devant toi. Parce que là, tu vois à gauche, tu vois à droite, mais devant, tu vois pas si tu veux, ça pose problème. C'est de la merde comme conception, faut changer de vaisseau. Hein. Même le Faucon Millenium, il voit ce qu'il y a devant lui. Et pourtant, en termes d'ergonomie, on n'est pas sur du... on n'est pas sur du haut de gamme. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a par là? On peut pas y aller, d'accord. C'est quoi mon objectif? Ramasser votre briefing. Ah! D'accord. J'ai ramassé le briefing. Est-ce qu'on pourrait voir? Passe aux écrans de contrôle. Est-ce qu'on pourrait mettre une vitre? Il y a des dégâts? On dirait bien que oui, en effet. Zoom sur le 74. Resserre l'angle. La baie de laquelle sèche a l'air complètement foutue. Je peux pas amener le Torrens là-dedans. Vaisseau de commerce Torrens au départ de Sinclair, immatriculé MSV 7760. Appel à la tour de contrôle de Sébastopol. Je transporte avec moi trois passagers pour le compte de la Wayland Yutani. Vous détenez la boîte noire du vaisseau Nostromo. Nous demandons l'autorisation pour transfert immédiat de nos passagers à bâbord. À vous. Marshal? Marshal, ici le Torrens. Répétez. Il est. Les communications de la station ont l'air bousillées, donc j'ai équipé la combinaison de Samuels avec un ampli radio. Je peux maintenir le Torrens en position que pendant 24 heures. On vous aura déjà contacté depuis longtemps. Bon voyage. Quoi? Non, 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 non. Ah d'accord, bah si en fait, ok. Venez. Mon contrat parlait pas de foutue sortie dans l'espace. C'est la seule option. Et y a rien à craindre si tu fais ce que je te dis. Let's go. T'es trop confiante toi, calme-toi. C'est...
Ben quoi? Tout va bien, non? Ripley, tu t'en sors bien, Taylor. D'accord. Ça commence très mal. On est d'accord. Bienvenue à ceux qui rejoignent. Bienvenue à vous. Ça commence très très mal. Roman Mary. Allez, change-toi. Parfait, j'ai pas un flingue, un lance-flamme ou un lance-roquette. C'est une autre ambiance hein, déjà. Hein. C'est quoi ça? Oh, sauvegarder la partie, d'accord. Ok, donc ça ressemble à des postes comme ça. Oula, pourquoi ça? Oh non. Les gens, si on peut regarder sur le côté, ça veut dire que même pendant qu'on sauvegarde, c'est pas bon du tout. Si on peut regarder sur le côté pendant qu'on save la game. What? Wow! Alors le son va être fort, hein, mais c'est normal, c'est une immersion. On n'est pas sur un let's play classique, on est sur de l'horreur. D'accord, ça marche comme ça, ok. Qu'est-ce qui s'est passé ici, bordel? Les mises hors service, d'accord, j'en suis ce qui concerne vos contrats et affectations. Voilà, je vous conseille de prendre tout ce que vous pouvez tant que c'est disponible. Ne veut pas dire pêche à la ligne. D'accord. 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 Bon, donc ouais, Sébastopol est mise hors d'usage, quoi. Okay. Super! Moins un tiers de vie, un vrai plaisir. Ah, regardez comment ça m'use. Donne-moi ça immédiatement. C'est pas mal. Donne-moi ça immédiatement. Merci Tanaoui pour le subgift. Merci à toi, trop sympa. Merci Tanaoui, merci à toi, t'es vraiment trop cool. Merci à toi, vraiment. Ça devient complexe là. C'est quoi, c'est R? Ouais, c'est R. La police est bizarre, hein, j'ai...
Ok, on peut lancer les trucs. Comment je... Clic droit pour viser. R pour placer. Non mais redonne-la-moi alors, redonne-la-moi. Putain, j'ai balancé ma fumigène. J'ai balancé ma seule putain de fumigène, quoi. Haha. Marqué quoi? You always know working someone. J'arrive pas à lire. Il y a des mots qui sont coupés. Tendu, hein. Tendu. Haha! Mort de lol! Qu'est-ce qui se passe? Je suis trop content de faire ce jeu avec vous. Ça me rend super content. Je suis content là. Ok. Cette tête. Qui, quoi, pardon? Vite, monte. monte vite. 4 barreaux par 12 barreaux, dépêche-toi. Oui, 4 par 12, ouais, c'est... Ta gueule. Il y a du craft. Ça veut dire qu'il y a du craft. What? L'ambiance. Il y a quelqu'un. Forgotten FV. Tomorrow no together future. Bah allume! T'es un malade, Tana, oui, merci à toi. Merci pour ton sub. T'es un fou, mec, t'es un fou. Je sais pas pourquoi ton pseudo me fait penser à un pseudo de garçon, je sais pas pourquoi. Peut-être que tu es une femme et je n'en sais rien. Ou quelqu'un, excuse-moi. Oui, vas-y. Y a pas de danger pour le moment. Putain de merde. Tu as laissé en plein milieu n'importe où. Quelqu'un aurait pu le prendre, bordel. Je l'ai planqué dans un des KGB, tu devrais pouvoir le trouver. Le code c'est 0340. T'en fais pas, plus personne ne descend au terminal maintenant. Pas après ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? On a plus de médoc, on est presque à court, donc il va falloir que tu en ramènes. C'est ton tour, ça t'apprendra peut-être à mieux prendre soin de nos affaires à l'avenir. Un bâtard, mec. D'accord, ça on connaît. Harris, Turner, revenez ici immédiatement. On a une piste quelque part à la salle des machines.
Verrouillez le terminal, coupez le courant et n'oubliez pas vos rapports. Et qu'ils soient en béton. On va avoir besoin d'une paperasse irréprochable quand tout ce foutoir sera fini. Wait, terminé. Mec. Genre. Merci, mais. T'as un déglingo ou quoi dans ta tête? Pardon. Ça m'a l'air. Mon dieu. J'ai pas écouté ce qu'il a dit du coup. Quand tout ce foutoir sera fini. Wait, terminé. Établir le courant. J'ai rétabli le courant là, non? Oh, oh! Il y a des gens. Ils courent! Hé! Hey, évidemment. Ah bah oui. C'est comme sur Fallout. On évite de prendre le jus, s'il vous plaît. C'est pas parce que c'est un jeu vidéo que... Hein, les réflexes... Oh, ça pue. Qu'est-ce qui s'est passé ici? J'en sais rien, mais juste pourquoi... Non, la vraie question, c'est... Mais pourquoi je reste ici? C'est ça, la vraie question. Ça, c'est une question correcte. Je m'en bats les couilles de ce qui s'est passé. Je suis là. Vous pouvez pas faire un trou dans la vitre? Je suis là. Je suis là. Verlaine. Ouh. Ouh. Regardez, j'ai des jumelles. J'ai payé 5 euros pour les utiliser. Ah bah non. Putain. Bah non. Et vous savez quoi? Est-ce que c'est le plus drôle? C'est que j'ai plus de fumigène. Ça va, oui, toujours plus de bruit, tu sais. J'ai plus de putain de fumigène. J'ai plus de motherfucking smoker, you know. Je suis dans la shit noire, d'accord? Et je suis pas en train de stresser du tout. Non, ben non, mais... Qui stresse? Qui? Toi, tu stresses, toi? Toi, t'es un stressman, toi, c'est sûr. Mais tous des stressman, de toute façon, dans la vie. Moi, je suis pas un stressman, moi, je suis un détendu. Moi, je suis un détendu, regarde. J'allume le courant en mode détente. C'est évident, j'ai envie de te dire. C'est... Regarde, hop, détente, parfait. Regarde, la détente incarnée. Regarde. Il y a du billard, il y a du beatboké, il y a tout ce que tu veux. Il y a même une fumigène, je l'avais pas vu, heureusement que je l'ai vu. Je parle toujours plus tout seul. On est 12 dans ma tête. Ah ah, la lampe qui bouge, évidemment, classique. Le premier qui bouge, le flingue. Je précise.
C'est annoncé. Jones, update du jour. Suite à de nombreuses demandes, le Marshal Waits a finalement organisé une réunion publique pour répondre aux rumeurs. Des Marshals et tout, genre. Quelques minutes à peine ont suffi pour que son équipe et lui soient la cible de projectiles lancés par une foule en colère. Un coup de feu a retenti, ça a semé la panique et à présent Waits et ce qui reste de son équipe éjectent tout le monde du terminal par la force. On ne peut plus compter que sur soi-même. Ah. Alors on va sauvegarder, parce que je suis pas serein si tu veux. Oui, pour le moment, je peux me permettre d'écraser les données, il n'y a pas d'aliens, donc tout va bien. Je suis pas du tout stressé. Non. Zoé, je suis désolé, mais je n'ai pas besoin que tu viennes la semaine prochaine. Tu n'es pas sans savoir que la boutique bat de l'aile depuis quelques temps déjà. Et je ne pourrai plus retenir les créanciers plus longtemps. Il n'y a tout simplement plus personne qui vient à Sébastopol. Oui, bah en même temps, vu la gueule de la station, tu m'étonnes. Normalement, pour ranger les valises, hein, si tu veux. Hein. Et puis, il n'y a pas que nous. On dirait que la station tout entière est dans le rouge et qu'ils arrêtent tout. Ils vont tout vendre, que des, pour les miettes je suppose. J'ai parlé avec un des ingénieurs et ils pensent qu'ils vont bientôt l'annoncer. Je te dis ça pour pas que tu t'éternises ici à chercher un autre job. C'est fini Sébastopol, il est temps de passer à autre chose. Harper. À tous les employés du terminal, des vols spatiaux dans l'intérêt de la sécurité publique afin d'éviter la panique, il est important de faire comprendre à tous les passagers potentiels qu'aucun vol au départ de Sébastopol et qu'aucun vaisseau ne sont disponibles. Les marshals de la colonie sont actuellement en train d'enquêter sur les problèmes qui affectent la station et communiqueront par la suite. Message du bureau de Marshal Waits. Qu'est-ce qu'Apollo ? Ah, qu'est-ce qu'Apollo ? Apollo est l'IA. D'accord, il y a une IA centrale qui surveille et assiste tous les lambdas de Sigson, sur Sébastopol. Elle supervise également toutes les communications sur la station. Où que vous soyez, vous êtes entre de bonnes mains. Sigson, ensemble pour demain, Sigson Corp. Je sens mal le coup de l'IA. Ça pue le coup de l'IA qui a fait de la merde. Et qui a, bah, qui a flingué la station, hein, tout simplement, on va pas se mentir. On va pas se mentir. Haha ! Quelqu'un qui est passé par là ! Mort de lol ! Lololol ! Ah ! Ah oui. On s'en fout. J'ai d'autres problèmes. Vraiment, là, moi, la seule question que je me pose, c'est bordel, pourquoi je suis encore ici? C'est la seule question que je me pose, vraiment. C'est la seule. Le reste, je m'en fous royal. Qu'on soit bien d'accord. Hein. Est-ce que j'ai vu un bouton? J'ai vu un truc. Non? Si, là, j'ai vu un bouton. Ah. Donne-moi des menottes, rouillées. Pardon ? Il y a que des bruitages dans le jeu de merde. J'aime pas beaucoup trop plus moins ça, ouais, moi non plus. J'aime pas beaucoup ça non plus, Mad Mary. Tanaoui, pardon. Putain, je vous mélange. Maintenant, je lis trop vite les pseudos. Et en plus, je suis en train de m'enfumer la gueule. Un vrai plaisir. En vrai, je pense qu'on est... Pardon ! Pourquoi je joue à ça, moi? Je me disais aussi que j'avais un écrit. Oui, pardon.
Ça, les enfants, c'est mon ECG. Bah, comme vous voyez, il est pas très bien. Et comme vous voyez, ça, c'est un cadavre. D'ailleurs, je vais prendre sa place dans quelques instants. Si ce jeu continue à me faire flipper alors qu'il se passe de rien. Un monitoring, très bien. Bonjour. Ah, on s'amuse bien. Allez, allez les gens. Il y a des morts partout. Yes, allez les gens, vous sortez hein, maintenant. Ah, on a bien rigolé. C'était pas une blagounette? Il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant. Bon. Un peu. Pas te mentir, je suis pas serein de ouf. Putain, mais genre dans le futur, on n'a pas un bouton, quoi. Ah! Le Carrefour de Marseille vient d'ouvrir ses portes. Vous avez jusqu'à 16h pour les promos sur le PQ, moins 75%, le lot de 25. Moltonné, bien entendu. Ça, c'est tout pour moi. Comment c'est amusant ce jeu. J'adore. Un vrai plaisir. Pardon? Fermez tous vos gueules hein, maintenant. Hein. On soit bien d'accord. J'ai pas le temps pour vos conneries. You. Ah! Un mort! Charmant! Charmant. Putain. Possibilité d'avoir une lampe torche ou... Ou je vais me faire foutre quoi. Là, j'ai l'impression que je vais bien me faire foutre. Hein. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Je détecte un niveau de stress supérieur à la moyenne dans ta voix. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai du tout. Bah, je lui ai dit que j'allais le faire, et ensuite, tout à l'heure, ce salaud, après Elle Let Loose, il a fait un sondage auprès de vous pour savoir si je devais le faire maintenant ou plus tard. Et du coup, bande de salauds, vous n'avez pas voté pour me défendre, et par conséquent, je le fais, parce que c'est un vrai plaisir. Je vous déteste. Ah, ça fait 10... Putain! J'ai eu peur de la porte! Ah, merde! Tout va bien. Sûrement être la sortie. Mais, on s'en fout, en fait. Juste pourquoi t'es pas ressorti avec ta combinaison d'astronautes de Fion, là? Fuck de Marshalls. Ah oui, d'accord, c'est... Looters will pay, d'accord. Les ramasseurs vont payer, les récolteurs. D'accord, donc c'est les gens qui pillaient la station avant qu'elle soit démantelée, je suppose. Oh non. Oh non. Non. Non, 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 non. Ouais, les pilleurs, merci. Non, putain, non. Je veux pas voir ce genre de mécanique dans un jeu, non. Putain. On va vraiment devoir se cacher, quoi. Non, on va se faire poursuivre la gueule. Putain. C'est le pire jeu. C'est le pire jeu. Resident Evil 2, c'est du pipi à côté, d'accord? Entendez-moi.
putain de porte. Bon, on va se mettre d'accord les portes tout de suite, parce que là, je vois que vous voulez ma peau. Bon, à un moment, ça commence à bien faire. Ok, je vous confonds toujours avec un bras d'un mec, là. Bon, merde à la fin. Putain, j'ai peur d'une putain de porte. Laissez-moi tranquille. Putain, dans Star Citizen, j'ai pas peur des portes. Pourquoi j'ai peur des portes, là? Ça n'a aucun sens. Pourquoi il y a une tache de sang, ici? Pourquoi il y a de l'eau qui coule? Ça pue, j'y vais pas. Arrête de râler. Tu vis une expérience unique. Que dalle. D'accord, je râle. C'est ma chaîne, je râle, j'aime râler. Ah, un deuxième mort, un plaisir. Un ballon d'or. Très bien. Ballon d'or, ballon en or. Comment ça s'appelle le trophée en foot là? J'y connais rien en foot, mais... José, le mécano, est dead. Très bien. Putain, par contre, le sol est propre. Hein. Ça a beau être le bordel, les femmes de ménage, elles passent quand même. Hein. C'est... Ou les hommes, d'ailleurs. C'est pareil. Pourquoi je joue à ce jeu? Pourquoi? Je voudrais soumettre une plainte à la plus haute autorité, c'est compris? Je m'appelle Zachary Watson. W-A-D-S-O-N. Vous savez tout? Très bien. Ballon d'or, ouais, voilà. La plainte est la suivante. Les putains de Marshall. Je croyais qu'on était sur House Flipper. House Flipper, putain, quel jeu à la con, ça. Il y a un truc sur la station avec nous. Et personne sait ce que c'est. Pourquoi ils nous disent pas, les Marshall? Ils m'ont juste enfermé. C'est con. Je veux déposer une plainte. Je l'ai déjà dit, non? Je te jure, j'ai vraiment peur, mec. J'ai vraiment... Putain, j'écris trop. Personne n'est venu. Je me les peine ici. Même pas. Ouais, il a pété un plomb. Il s'est suicidé ou... Lâche. Lâche. Je crois que j'en ai plus besoin que toi. Tout son cœur. Je stresse, putain, mais de fou. Ah. Oh. Arrêtez de mettre des bruits, là. Arrêtez de mettre des bruits tout le temps. C'est fou, ça. Faut arrêter. Je peux frapper avec ma clé à molette? Je peux pas frapper avec ma clé à molette. Un vrai plaisir. Ça met tellement de temps en plus. Peut-être que notre ami est juste un peu timide.
C'est le doubleur de Leroy Jethro Gibbs. Voilà, j'annonce. Je veux pas aller là, je veux pas aller ici. Ça pue, d'accord? Y'a rien, y'a rien, je me barre. Y'a rien, ouvre cette porte. Je me barre, mec, je me barre. Stop. No joke, il y a eu un putain de bruit. No joke, il y a eu un putain de bruit. Ici Turner. J'ai encore dû m'occuper de cet abruti d'ivrogne. Cette fois, il a presque pété la porte avec un cric de maintenance. Il doit sûrement se croire en sécurité ici, il veut s'y enfermer. Qu'il aille se faire foutre. On a d'autres chats à fouetter que de babysitter des poireaux. Enfin bon. Ah, il était bourré l'autre. D'accord. J'ai compris. Je suis vraiment en stress, les gens. C'est fou. Vraiment, je suis. Très bien. Je suis en stress, ok? Je. No joke. Je crois que ça s'était remarqué. Pas sûr. Pas convaincu de cette info. Putain, la sensi par contre est abusée quand on est dans le truc de save. Un peu crispé sur la détente, mec. Détends. Détends-toi parce que là. Mon nom est Ripley. Rends-moi ma clé. Ripley. De l'extérieur, d'un vaisseau. Y a pas de vaisseau ici. Maintenant, si. Bah ça, c'est une bonne nouvelle, parce que ça craint pas mal ici. Il vient d'avoir une explosion. Ça a tout secoué dans le coin. J'ai vu ça. Oh, il va lui arriver un truc, lui. C'est bien le dernier de nos soucis. Ah ouais? Ouais. Il y a quelque chose sur la station. Un truc assez incroyable. Genre quoi? Un tueur. Tu comprends? D'accord. D'accord. Quoi, tu regardes pas le mec? Toi, t'es qui? Si elle le regarde, Axel. J'ai embarqué avec deux collègues. On a fait une EVA. L'explosion nous a séparés. Tu veux bien m'aider à les retrouver? Pourquoi? T'as l'air de connaître les environs. Ah, je veux dire, pourquoi? J'y gagne quoi, moi? Eh oh, tu te calmes? Non mais oh. Et comment je sais si je peux te faire confiance? Faut que je trouve le centre de com. J'ai besoin de contacter mon appareil. Alors là, c'est ton jour de chance. C'est parti, poupée. Sixon Communications se trouve dans la tour 6 Tech. C'est pas la porte à côté, mais on peut atteindre un transit par la zone de fret. Mais fais gaffe, on tombe toujours sur un pépin là-bas. Ok? Ok, Fanta, je te suis. Let's go. Allez, faut qu'on ouvre ça du coup. Hop. Let's go. Ah, le son décalé. Bien joué. Parfait. Lui, il va lui arriver un truc. Oui, ça va, j'arrive. Axel, il va lui arriver une merde. Ouvre la porte, là. J'ai pas le temps. Par contre, à quel moment un truc comme ça, ça retient une porte, si tu veux. Allez, Axel, viens. C'était toi qui me suivais, là? Fallait bien que je garde mes distances. On n'est jamais trop prudent ici. Exit de station. Bon, on peut aller par là, non? Bon, je dis. Keep out, barre-toi. Reste à côté de moi. Quoi?
quoi. C'est quoi cette manière de courir lentement, genre? Oula. On n'est pas là pour chercher les embrouilles. Vous êtes qui, vous? Moi, c'est John. Ça, c'est Ringo. C'est juste une paire de connards. On a d'autres choses à faire. Allez, viens. Eh oh, tu te calmes? Au centre de com. Vous pouvez nous aider? On n'a pas besoin de leur aide. Si, on a besoin de leur aide, si. Plus on est de fous, plus on rit. Enfin, pas là, du coup, mais yes. Ne nous spoil pas. Tu l'as dit. Écoute, j'ai réussi à faire marcher l'ascenseur. J'en sais rien, hein. C'est juste que vu son comportement, il est bizarre, quoi. Bonne chance. Juste que... tendu, quoi. Faites attention à vous. J'ai entendu des bruits par là. Ah, merci. Merci, ça me rassure grave. Ça me rassure de ouf, en plus. Genre, yes. Yes et tout, genre, grave. Tu leur aboies dessus. Tout le monde a les boules. Plus personne se fait confiance. C'est plus sûr comme ça. Ouais. On pourrait s'entraider aussi, ça marche. Que des messages de révolte et de désespoir quand même. Hein. C'est un peu le... C'est un peu galère. Ah! Enfin des lumières! Voilà! Pour toi, que ton vaisseau, c'est pas des bobards. Non, non. Et au pire, tu vas faire quoi? Tu vas me mettre une balle? Je m'en fous, hein. Ce sera rapide. Je vais te dire, au point où j'en suis, prendre une balle, c'est le dernier de mes problèmes. Allez, go! Parfait. Attends là, je m'occupe de l'ascenseur. Ah! C'est-à-dire que moi, je vais devoir regarder derrière. C'est un vieux machin, faut un doigté spécial. Ah bon? Bah écoute, très bizarre hein, leurs photos quand même de décor, hein. C'est très bizarre. Appuie sur le bouton. Bah ça va, oui, 3 secondes. Tu me rassures toi, je t'aime bien. Je t'aime bien maintenant. Je t'aimais pas au début, mais maintenant je t'aime bien. Je t'aime bien, je t'aime bien. Il va t'arriver un truc, je pense, mais je t'aime bien. Oula, on va se battre. Je suis une femme par contre. T'as pas de cheveux. Lol. Je te l'ai dit, il y a un tueur dans les parages. Ok. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je l'ai pas vu, mais il est ici. Ça c'est sûr. Il nous chope un par un. Tu me parles de quoi? T'es vivant, tu m'accompagnes, je t'aime bien, exactement. C'est autre chose. Un monstre. Tu veux dire un alien? Comme dans le titre? Putain, la synchro musique est incroyable. Ramasse du merdier si tu veux, c'est incroyable. Le stress, le stress. Merde. Faut qu'on décampe. Par là, baisse-toi. C'est des conneries ça, putain. On ferait mieux de chercher une sortie. T'es complètement dingue. Il y a aucun moyen de sortir de cet endroit. Au moins ici, on est en sécurité. Ouais, mais pour combien de temps? Je me rappelle plus la douche. Si nous tombe dessus, hein, bah on leur tire dessus. Maintenant, ferme-la. T'es en train de me faire flipper. Descends-lui. Va falloir qu'on fasse le tour. Suis-moi. Gauche droite, c'est parti. En avant. Des amis à toi? Je suis déjà embrouillé avec ces gars-là une fois. J'aime pas trop les étrangers. Même les gentlemen comme moi. C'est étonnant. Je te raconte pas de salade, petite. Si tu veux y aller, leur faire bouffe. Tu signes ton arrêt de mort. Leurs flingues sont pas là pour faire joli. Il faut que quelqu'un agisse. C'est ce ok. Entre nous, on appelle ça l'instinct de survie. Les poux sont faibles dans le mixage. Bizarre. On se retourne tous les uns contre les autres. La peur, ça rend les gens complètement sympas. C'est vrai. Bien. C'est là-dedans que tu vis? Le majordome est en vacances. Prends tout ce que tu veux. T'auras peut-être pas d'autre occasion de le faire par ici. Bah écoute, en vrai, c'est pas mal du tout. Hein. Il est safe et tout. Il y a juste l'accès au conduit. Ça va faire une semaine que je me large. En attendant un vaisseau. C'est peut-être vous que j'attendais.
peut faire vachement sombre par ici. Tu devrais prendre cette lampe torche là-bas. Oublie pas de faire le plein de piles avant de partir. Oh, une lampe frontale. Excellent. Exactement, Tanaoui. Exactement. Fais gaffe de pas l'allumer n'importe où. J'ai pas trop envie qu'on se fasse repérer. On y va. D'accord, mais attends, mec. Attends, t'as l'air d'être vachement blindé. Je veux te piller un maximum de choses. Tant pis, je serai un looter, tu vois, mais c'est pas grave. Je sais que c'est par là, je le sais, j'arrive. 3 secondes. Laisse-moi le temps de save. Regardez-moi cette 106, ça n'a aucun sens dans le truc de save. Let's go. Du coup, c'est quoi la torche? Et maintenant, je vais surveiller ce conduit. Il y en a un autre quelque part par là. J'ai laissé une marque dessus pour pas l'oublier. Ah. Si tu jetais un œil dans le coin, on ira nulle part tant que t'auras pas trouvé le conduit. Ben, j'arrive pas à la recharger. Ah. Avec parcimonie, les piles se font rares, d'accord. Avec parcimonie, genre à la outlash, genre le caméscope, c'est vraiment chaud de trouver des trucs ou... Ah ouais, quand même, ouais, ça s'utilise un peu pas mal, mine de rien. Ok. Bon. Donne-moi des piles pour la torche. Tout va bien. Ouais, c'est bon, ça se regarde tout seul, visiblement, mais... Ah ouais, mais ça s'use grave, en fait. Putain, la vache. Ça s'use de fou. Vas-y, mec, hein, je te suis. Non, tu veux que je passe d'abord? Ok. Si tu veux que je passe d'abord, c'est pas bon signe, évidemment. Non? Ah non, mais là je rentre chez toi. Pardon, mec. Le mec, il va chez les gens comme ça, tranquille. Qu'est-ce que tu veux que je trouve exactement? Tu as tout ramassé, il me semble. Là, y a rien. C'est ça. Ça a l'air d'être ça, ouais. C'est cool, mec, je t'aime bien en fait. Je t'aime bien, toi. Je gère fougère, cette expression que j'avais plus entendue depuis... Fouf. 2014. Je gère fougère. Bah d'ailleurs, quand est sorti le jeu, tiens? Je connais pas la date de sortie. C'est pas très prudent de s'attarder ici. Pourquoi? Oh, t'es en train de me dire que je vais pouvoir trouver l'alien dans les conduits, genre? Oh non, mais là c'est trop. Tu m'étonnes. Pardon? Qu'est-ce qui fait Tilong? C'est le torrent qui tombe sous, c'est ça? C'est chez moi que ça fait Tilong, les gens? Chut, j'ai entendu un truc. Je suis le seul à avoir entendu un Tilong ou... Ouais, je comprends. Oula. Parfait. Faut qu'on rejoigne les autres. Il y a un truc qui merde. Il y a toujours un truc qui merde avec lui. Fais un effort, t'as pas envie de le mettre en pétard. C'est-à-dire que c'est chez moi? Bizarre. Non, je save. J'allume pas la torche. Oh, joli. Infiltration. Franchement, si on fait tout le jeu avec lui, c'est cool, hein? J'aimerais bien. Quelqu'un est venu ici. Tout le monde sur le qui-vive. Gardez vos armes à portée de main. Ouvrez le feu dès que vous voyez un inconnu. Compris. Bougez pas, je vais vérifier la réserve. Donne-moi son flingue. Il est beaucoup trop nombreux pour qu'on les attaque. Qu'on les attaque? On est obligé de passer par là pour atteindre la porte au
D'accord. Pour faire diversion. Le générateur, si tombé en panne, il viendrait jeter un œil. T'es plus petite que moi. Tu feras forcément moins de bruit. Super. Bah voyons. Qui a vérifié les provisions en dernier? Moi? Pourquoi? Générateur? Il est où le générateur? Savoir ce que t'insinues exactement? Eh, pour info, il était avec moi pendant tout ce temps. Il manque de la bouffe, des munitions et des médocs. Si c'est pas l'un de nous qui a fait ça, alors c'est qu'on avait raison sur un point. Quelqu'un est venu ici. Ça sent pas bon. Atteindre le générateur, d'accord. En sécurité ici. Fais chier. Et le verrou que Joe a installé? J'en reviens justement. Il a pas bougé d'un poil. Ouvrez l'œil. Tenez-vous prêt à faire feu. Va falloir que quelqu'un aille avertir le boss. Le boss? Le boss, c'est un putain de caissier. Et alors? Tu crois peut-être que tu pourrais faire mieux que lui? C'est pas du tout ce qu'il a dit. Détecteur? Je voulais simplement dire. Tu voudrais pas plutôt la boucler et m'aider à vérifier le reste des stocks? Enfin, pour ça, faudrait que t'arrives à fermer ton clapet plus de 5 secondes et je sais pas si t'en es capable. Ouch. C'est ça le générateur, c'est ici. C'est ici, c'est ici. Ok, faut trouver. Oh merde. Oh merde. The sound. Make some sound. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Éteins-le. Ah bah super. Ah bah tout le monde avec lui, bah d'accord. Qu'est-ce que je fais moi? Qui est là? Montrez-vous et on vous fera pas de mal. Haha. Direct, tout fonctionne? Comment tu peux le savoir, Einstein? Si le générateur avait pété, il y aurait de la fumée. Bah en tout cas, là, il marche pas. C'est peut-être la sécurité? C'est peut-être un rat qui s'est coincé et qui a déclenché la sécurité. Un rat? Ça devait être un putain de gros rat alors. On va mourir, c'est sûr. Quelqu'un se fout de notre gueule. Mon pote a dit qu'il avait le même enfoiré qu'on a profité pour servir dans notre. Je vais mourir. J'aime mieux pas y penser. C'est pour ça qu'on a des flingues. Allez, aidez-moi d'abord à trouver l'interrupteur pour le remettre en marche. Je vais mourir. La station ressemble à un. Bah ouais, c'est mort. Quoi? On vous le répétera pas. Me tire pas dessus, mec. Ah d'accord. Ah bah d'accord. Et je fais quoi moi? T'es un marrant. Putain. T'es un marrant, mec. Je fais quoi, moi? D'accord, je... Bon, on va réécouter peut-être que j'ai loupé une info. Vas-y, mec, je te suis. Mais c'est bon, je fais pas de bruit, là. Vas-y, dis-moi. C'est quoi l'urgence? Quelqu'un est venu ici. Tout le monde sur le qui-vive. Gardez vos armes à portée de main. Ouvrez le feu dès que vous voyez un inconnu. Compris. Bougez pas, je vais vérifier la réserve. J'arrive pas d'imaginer que je l'entends derrière les murs. Ils sont armés. Trop nombreux pour qu'on les attaque. Qu'on les attaque? On est obligé de passer par là pour atteindre la porte au bout. Comment? Pour faire diversion. Le générateur, s'il tombe en panne, il viendrait jeter un œil. T'es plus petite que moi. Tu feras forcément moins de bruit. Créer une diversion pour distraire les pilleurs. D'accord. Pourquoi? Tu te serais pas un peu servi, non? Je peux savoir ce que t'insinues exactement? Eh, pour info, il était avec moi pendant tout ce temps. Donc alors attends. Je défais le générateur. Si c'est et ensuite. Ça, alors c'est qu'on avait raison sur un point. Quelqu'un est venu ici. Ça sent pas bon. Ensuite, je reviens en arrière. En sécurité ici. Là, il y a aucun endroit pour se planquer. J'en reviens justement. Il a pas bougé d'un poil. Ouvrez l'œil. Tenez-vous prêt. Je me planque où moi? Quelqu'un aille avertir le boss. Le boss? Le boss, c'est un putain de caissier. Et alors? Tu crois peut-être que tu pourrais faire mieux que lui? C'est pas du tout ce qu'il a dit. Oh, le conduit, évidemment. Plutôt la boucler et m'aider à vérifier le reste des stocks. Le conduit, bah bien sûr. Évidemment, comme ça ils vont aller tous voir le générateur. Pendant qu'ils me cherchent, on sort. Tendu, hein. Qui est là? Montrez-vous et on vous fera pas de mal. Je crois que j'ai vu bouger un truc, hein. Direct, tout fonctionne.
fonctionne. Comment tu peux le savoir, Einstein? Si le générateur avait pété, il y aurait de la fumée. Bah, en tout cas, là, il marche pas. C'est peut-être la sécurité? C'est peut-être un rat qui s'est coincé et qui a déclenché la sécurité. Un rat? Ah oui, il court tous ses morts, lui. D'accord. Bah, pas de bruit, mec, t'as couru pendant sur de la tôle, à un moment, avec des chaussures de sécu. Pas de bruit. Par contre, je suis grande, hein? Incroyable. Je suis à grande ou alors les vaisseaux sont vraiment très petits. Ça se peut aussi. Bah alors tu rentres? Tu fais quoi, mec? C'est encore loin? On y est presque. Le transit est juste devant. J'espère bien que ton vaisseau est encore là. Moi aussi. Mais évidemment non. Ok, il y a un terminal. Mes papiers de sortie datent d'il y a une semaine. Bah qu'est-ce que tu fous là alors? C'est-à-dire que ça fait plus d'une semaine que c'est le bordel. Pas cool. Règle des deux. Ah, petit effet Star Wars. D'accord. Inventaire. Ah, ils ont pas mal de trucs. Ok, c'est-à-dire qu'il reste encore des choses. C'est-à-dire qu'on peut leur piller des trucs. Ça c'est cool. Medikit. Schéma ramassé. Oh là là. OK. Elle a plus de jus. Ces enfoirés nous ont barré le chemin. Ah. J'ai compris. Faut qu'on active les deux consoles en même temps pour l'ouvrir. Je me charge de celle-ci, tu t'occupes de celle qui est de l'autre côté. Ok. Prête? À trois. Un, deux, trois. Axel, derrière toi. Oh merde, j'arrive, mec! Ouch! Ah! Ouh la colonne! Ah d'accord! Merde! On dégage! Ces potes seront là d'une minute à l'autre! Faut qu'on se casse! Maintenant! Hé, hey, bande de bâtards! Pas de flingue! On. One on the way! Sinon c'est moi qui l'allais tuer. Tu m'as sauvé la vie, Ripley. Rip en paix, exactement. Faut qu'on sauve notre peau. Tu comprends ce que je veux dire? On est devenu vachement proche en 5 secondes. Attention, il y a une tache de sang par terre. Je suis pas sûr que ce soit très bon signe. Je dis ça, je dirais. Quelque chose. Oh non. Axel. Ta gueule, T-Long. J'en ai sur moi. C'est quoi ça? Oh non. D'accord. C'était quoi ce truc? Rip en paix aussi du coup. Ok, d'accord, je crois qu'on vient de rencontrer l'alien. Faut pas que je m'arrête. Ouais, attends, faut peut-être pas que tu t'arrêtes, mais moi j'en ai marre d'entendre un T-Long pour rien, ça m'énerve. Voilà, je pense que c'était ça. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Fuis, fuis, la fuite, la fuite! Vite! Vite! Il est où le manio exactement? Putain, il a éclaté contre le mur quoi! Appelle là!
What? Ouvre. Ouvre-toi. Ouvre-toi, je te jure. Hein? Pourquoi je joue à ça? Je m'en bats les steaks. Je veux juste me barrer. Habitation Towers, non. Et c'est le métro de Sébastopol en gros ça. What? Violence. Ça veut dire que maintenant il y a l'alien. Ça veut dire que maintenant il y a le putain d'alien. Non. J'en ai marre. Et maintenant j'ai le hockey, parce que je suis stressé. Un vrai plaisir. Vous allez avoir droit à une séquence au hockeytage. Stress quoi. Faut être fou pour jouer à ça. Faut être malade. Faut être complètement barré dans la tête. C'est nom de Dieu, quoi. Mot de passe requis. Oh, mais j'ai une arme! Oh, mais Kylian, je suis invincible! Bah alors l'alien, il vient un père, il vient pas? Il voit un pien, je sais pas parler. Reroutage système. Utilisez le reroutage pour activer et désactiver des systèmes à votre proximité. Les systèmes partagent une alimentation d'électricité limitée. Certains font d'électricité, machin. D'accord. Vous suivez la carte à droite sur l'écran. Du système locaux, d'accord. Accéder à de nouvelles zones, créer des diversions ou trafiquer les systèmes de Sébastopol pour vous aider à remplir votre objectif. Très bien. Me barrer d'ici me semble être un très bon objectif. Système de haut-parleur, je m'en fous. C'est quoi ça? Ça change strictement rien cette merde.
C'est quoi ça? Oh bah non. Non, merde. Pas de lien. Pas de lien, pas de lien. Et alors? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Au secours! Qu'est-ce que ça change? Reroutage système. Système instable, c'est celui-là que je veux moi. Non? Je peux pas. Il n'y a pas assez d'énergie. Je pense que c'est pas ça à mon avis, je pense. Il n'y a pas assez d'énergie. Je pense que c'est pas ça. Bon, c'est de là que je viens. Je suis arrivé d'ici. Système instable, mais c'est le nôtre, exactement. Là, il n'y a rien. Là, c'est la porte que j'ai déverrouillée, donc rien du tout. Là, il n'y a rien. Et ça, c'est le système, du coup, que j'ai débloqué. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? On va faire de côté par côté. Hein. Il doit y avoir un truc ici, mais là, mot de passe requis. D'accord. Torche à plasma requise. J'ai une clé USB. Une clé USB. J'ai une clé à molette. Ça marche, non? Ta gueule! Ok, ça marche pas. Ok, ok. Wow! Lève-toi! Par ici. Y a quelqu'un ici. Non, c'est pas vrai. Pas vrai! Y'a personne! Je connais pas le sens de cette réaction. Qu'est-ce que... DBD like tellement. J'aurais dû jouer à Dead by Daylight au lieu de jouer à ce putain de jeu. Au secours. Qu'est-ce que je fais là? Vraie question. Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fous là? C'est tendu. Je rase le mur. Il y a un marteau. Un syntoniseur. Putain, j'ai eu peur. Elle essayait de pirater la sécurité de l'ascenseur. Stylé. Les circuits ont grillé, c'est du gâteau. Faut juste trouver une nouvelle cellule de données. Ah! T'es sûr que tu veux prendre ce risque? T'as raison. Je propose qu'on la trouve et qu'on la bute. What? Par là. Je suis sûr qu'elle est en bas. Non. C'est pas vrai. Je suis pas en bas. Et ils sont là.
Il doit y avoir moyen de faire du stealth. Ok. Oh merde! Ah ouais, mais je fais comment moi? Ils veulent pas mourir? Dans les recoins. On les a pas encore trouvés. Continuez de chercher. Ils passent pas bien loin. Bon sang, j'en peux plus de faire ça. On tente ? Je parlais pas, j'essayais d'écouter en fait. Oh merde. Vous savez quoi, attendez. On va tester. J'ai save. Donc let's go. Y'a pas de danger. Voilà. Comment je fais, moi? Weird question, comment je fais? Comment je m'en sors? Je pense qu'on n'avait pas le choix, mais c'était votre idée, pas la mienne. Wow! Ça va, mec? Aïe! Ah bah d'accord. Ça roule. Comment je suis censé faire là? Ils sont 112. Trouver une cellule de données. D'accord. Je suppose que la cellule de données elle est après, genre. Oh, ah bah. C'est pas vrai. Aïe. Faut que j'attende de quelques secondes que je l'entende marcher en fait. Pardon. Putain, c'est tendu là. En plus, j'ai même plus de vie, j'ai rien. Il est juste là. Il est encore là. Putain, mais c'est la merde. C'était quoi ça? Moins un. Donne-moi ton flingue. Donne-moi ton putain de gun. Donne-moi ton gun! J'ai pas de gun! Ah! J'ai pas de gun. Ouf, la drogue! Ouch! J'ai pris une bastos! Tout va bien.
En deux coups, c'est KO. Tout va bien. Oyen ou pas? Non, Rocher, c'est... Il vise beaucoup trop bien, c'est beaucoup trop dangereux. Hey, je crois que j'ai vu quelque chose. T'as rien vu du tout. T'as vu rien du tout. Oh merde, t'es mort mec. Oh bah t'es mort, rien du tout. Ah bah super, un vrai plaisir. Un vrai plaisir. Ok, je commence à capter, faut juste la jouer genre giga safe. Mais par contre ils sont genre 50 genre, c'est fou. Mais genre, ah ouais, maintenant c'est une balle quoi, d'accord. Ça roule, non mais oh. Oh, j'ai le droit de te foncer dessus quand même ou... Genre, à un moment, pas me faire enchaîner 50 fois. Laisse-moi te tirer dessus, ça va bien se passer. Il m'a pas vu là, genre. J'ai l'impression qu'on attend sagement que la mort vienne nous chercher. Quelqu'un d'autre a vu ça? Désolé, on a un intrus! Hé, hey, par là! Mais oh! Oh, ça me gave là! Putain! Ça me fait chier! Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bonjour. D'accord. Je comprends rien. C'est ok. J'essaie de capter le système, mais je... Ils sont beaucoup trop forts. C'est... Ça m'emmerde, je le dis, ça me fait chier. Faut que je trouve comment les vaincre, ça me fait chier là. Bon, le premier j'ai trouvé à peu près. Le deuxième, je vais faire le tour et je vais l'attirer pareil. Hein. Je vais tous les attirer comme ça en vrai, je pense. Hein. Parfait, parfait. Re, souris, re. Je m'en fous, tu sais quoi. Veuillez ne pas laisser vos bagages ou votre équipement sans surveillance. Oh merde!
Oh merde. Oh non, putain, genre il me touche. Putain, j'ai fait des mouvements d'esquive à la CSGO, mon pote. Ok, j'en ai éliminé 4, ok? C'est déjà pas mal. J'en ai éliminé 4, c'est déjà bien. Ouais, mais là je les ai rush. En diagonale. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais je crois que c'était juste une expression, Phantos, pour ça. Genre! Mais ça va, oui. Je crois qu'il n'y en a plus. Ok. Il n'y en a plus. Cherchons une cellule. Bienvenue à ceux qui rejoignent au passage. Bienvenue à vous. Bien. Pourquoi je joue à ça, quoi? Pourquoi je joue à ça, nom de Dieu? Je vais pas bien, je vais pas bien dans ma tête. Moi qui ai dit la souris. Ah là là, lol, j'ai envie de faire si. J'ai envie de faire Alien Isolation en stream. Ah ah, t'en penses quoi? Ça sert ce que j'ai fait, mais... Oh merde, non, mais réactive-le! Mais non! Tu mets de la fumée, c'est complètement con. Quoique... Ah, voilà! Mais du coup, mais pourquoi ça reste pas? Je comprends pas. Regardez. Je l'active. Désactiver. Activer. Hop, air purifié. Hop, plus d'air pur. Mais c'est fou. Mais c'est fou. C'est pas par là déjà. C'est pas par là. Pas par ici. Tout va bien. Tout va bien. On essaie de se détendre. J'arrive pas à me détendre dans ce jeu. Hein, c'est fou. Mais dans ta ville, je sais pas, il y avait un truc. Genre, je commençais à me détendre vers au bout de. J'arrive même plus à parler. Au bout de quelques minutes de gameplay. Mais là, pas du tout. Enfin, me détendre, c'est un grand mot. Mais là, j'arrive pas à me détendre. Je suis tendu! Tendu du fion, vraiment. Je le dis, je l'annonce. Hein. C'est... Vous faites ce que vous voulez de cette info. Vous en faites ce que vous voulez. Mais là, c'est la panique. Je l'annonce, je le dis. Il y a un conduit. Très bien. Ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse, en fait. Il y a du sang, là. Ah ah, bonjour! Une fumigène.
J'achète. Là, y'a rien. Y'a rien du tout. C'est de la daube. Très bien. C'est de la daube. Tout va bien. Grimpons dans les conduits absolument incroyables. D'Alien Isolation, you know. Ok. Faut que je trouve. Je trouve la suite. Alors. J'avais vu une porte par là, il me semble. Là. Parfait. Il me semble pas y être déjà allé, donc on va y aller. Oh, c'est beau! Oh! Ah, là, je me sens bien, là. Là, d'accord. Bon, avec un peu plus de lumière, par contre, mais je me sens bien. Rétablir le courant. Oui, oh, ça va, oui. Tout faire, hein. On peut pas tout faire. Puis pourquoi il y a que moi qui bosse sur cette station de merde? Il y a un Jean. Il y a un putain de truc qui bouge. C'est un piaf comme au début? Je crois que oui. Je crois que c'est juste un putain de piaf à eau. Avec le bec mouillé là. Trop bizarre. Bon. Oh putain! La vache! On va faire des trucs comme ça! C'est quoi ces conduits de l'infini, genre? De sécurité trop élevé, mais what? Je comprends rien à la map en plus. Ok. Checkera la map après, là j'ai d'autres problèmes. Je suis vraiment stressé quoi, j'ai l'impression qu'il va se passer un truc là maintenant. Non mais what? Non mais... Je sais pas, genre, je suis vraiment stressé, quoi. C'est un truc de fou. Save. Tout de suite. Tout de suite. Parfait. Ah ah. Oh. Alors là, mon gars. Alors là, mon gars. Ah ah. J'ai eu très envie de tirer pour me détendre, mais non. C'est mal. J'ai réussi à me contenir. C'était pas loin de ripper, hein, j'annonce. Donne-moi une carte magnétique. I see you, guy. Oh, 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 oh. Non, ta gueule, ta gueule, ta gueule, re-rentre, re-rentre dans ce putain de casier. C'est ta maison, voilà Bob. Très bien. Bob! Pourquoi tu me fais ça, toi? Je vais te démonter. Pourquoi tu m'empêches de save? Ta gueule, le piaf. Je te jure. Woody Woodpecker, là, je vais te flinguer. Ok. Ah ah! Tout va bien! C'est faux. À l'aide. Ouais, il se... Putain, mais arrêtez avec ça! Bon, non, c'est pas le... C'est pas ce Bob, là. C'est pas... C'est pas Bob. C'est pas Bob Bob. Enfin bref. C'est pas Bob au chapeau. Notre sécurité trop élevée. Mais j'ai pas looté une carte magnétique.
Une carte magnétique. J'ai cru que c'était ZZ Top. Incroyable. Mais non. Alors, bien. Tentons de repartir en arrière. Il y aura sûrement d'autres choses qui vont être déverrouillées. Et déverrouillables. Arrêtez avec ce putain de tuyau de merde. Voilà. Sûrement des choses incroyables qui vont se déverrouiller. Donc avançons. Quel est notre objectif? Rendez-vous à Sigson Communication. Que la tour Sitex Spire. Sitex Spire. Ça roule. Trouver une cellule de données dans l'assistant technique. C'est dans cette zone-là, donc j'ai rien à faire ici en fait. Parce que là je peux monter. Si, c'est ça en fait. C'est ça. J'en ai marre de ces tuyaux, putain, ils me foutent un stress! Ça, je suis pas serein. Hein. Ces bouches comme ça, là. Ces bouches d'aération, là, je sais pas trop quoi, là. Je suis vraiment pas tendu avec ce genre de truc. Voilà. Alors, vous restez bien à vos places, bande de salauds. Parce que le premier qui bouge... Si tu bouges, je t'éclate. Qu'on soit bien d'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, si c'était une bombe nucléaire, je tirerais dedans pour que ça la fasse exploser, je te jure. Je m'en fous, je me suicide. Vraiment. Oh, l'effet vomitif. Incroyable. Oh, bon sang. Bah écoute, hein, ça peut pas être pire que... Pardon? Pardon? Pourquoi il y a Woody Woodpecker là qui a fait du bruit? Il y a du morse? Il y a du putain de morse? Réponds toi, réponds! Je comprends pas le morse moi! Je suis pas en panique. Hein. Je suis pas du tout en stress. Tout va bien les enfants. C'est pas ce qui vous fait dire ça. Moi personnellement, tout va très bien. Tout va extrêmement bien. Je ne suis pas stressé. Non. Ne fais pas de mouvement comme ça. Mais je te jure. Ah, oula, oh non. C'est un rébus. Ouf. Concentre-toi. J'avoue. Oh non. Vous avez entendu? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse?
existe dans ce truc. Ah d'accord, j'ai compris. Ah putain, il faut replacer le... D'accord, faut refaire le code à chaque fois. J'ai compris. Je suis en pression, putain, c'est pas agréable. C'est pas agréable, en même temps c'est un peu bien, genre. Je sais pas comment expliquer. J'ai le cœur, c'est plus un cœur, hein. C'est C'est pas mal ce système de piratage là comme ça, j'aime bien. Je peux me planquer là-dedans, parfait. Inventaire plein, bah sors, sors! On bat les steaks. Je sais pas combien d'accords de confidentialité d'entreprise on a bafoué pour en arriver là. À part le logo de la Wayland Yutani et un affichage vide, miette. D'un autre côté, ces trucs-là sont faits pour durer. Alors, soit une personne à bord du Nostromo a fait en sorte que la mémoire de leur unité centrale maman les fasse du système, ou pour X raisons, les données ont été corrompues avant d'arriver ici. Savoir en quoi c'était une tâche prioritaire. Ok. C'est pub pour l'IA, n'a aucun sens. Par des hommes armés et un putain d'alien. Sauvegarde, sauvegarde. Woody Woodpecker, je te jure, je vais te plomber, mon pote. Je te déteste. J'ai pas vu d'alien. Ah bah moi je l'ai bien vu buter notre pote Axel. C'était ça son nom? Ou Pierre, je me rappelle plus, on s'en fout. On s'en tape de son nom. Enfin bref, tout ce que je sais c'est qu'il l'a bien plombé. Y'a rien. Ouais, ben pour moi, c'est un alien, ok? On n'est pas dans Alien Isolation pour rien. Non, je m'en tape. Archive. C'est que j'ai déjà archivé 80% du système de courrier interne de Sébastopol pour la décommission. Vous avez déconnecté. Il a été déconnecté d'Apollo, mais j'ai laissé la place, machin, machin, messagerie, les gens qui restent. Mauvaise nouvelle est que le branquignol qu'il a installé en premier lieu a lésiné. Sur le matériel informatique, on a eu des fuites, mais j'ai mis Mike Tanaka sur le coup, c'est un archiviste spécialiste qu'on a appelé, il a l'air de toucher sa bille, j'ai pensé bon de te tenir au courant en attendant, Franco, ça roule. On s'en bat les steaks. Je m'en bats les steaks perso de Franco.
Nom de Dieu de ces grands morts! Tu me fais pas jouer ça, hein. Oh la chance! C'est improbable, mais la chance! Je reste ici, je m'en bats les couilles. Voilà. C'est fait, c'est annoncé. Je m'en fous, je reste là. D'accord? C'est mort. Y'a pas de... Oui, mais il faut jouer. Non, non. Non, non, non. Là, je vais... Hein? Me détendre. Là. On va aller écouter du Patrick Sébastien. Voilà. On va aller faire une partie de Uno. Et on reviendra après, hein, les enfants. Super, hein? Yes. Tout va bien, hein, Mad Mary? Y'a pas de raison de s'inquiéter, Mad Mary? Hein? Non, bah non, y'a pas de raison de s'inquiéter, non, non, non. Yes, y'a pas de. Aucune raison de s'inquiéter. Non, 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 non. Évidemment. Évidemment, j'aime souffrir. Quelle question de merde. Évidemment, j'aime souffrir et j'aime. Divertir des gens de par ma souffrance, évidemment. Évidemment, c'était une évidence, sinon je ne streamerai pas de jeu d'horreur, si vous voulez. Pourquoi je fais ça? Je vous pose la question à vous, parce que c'est votre faute. Vous n'avez pas voté contre souris. C'est votre faute, si tu veux. Vous n'avez pas voté, c'est votre faute, je m'en fous. Et si c'est pas votre faute, bah c'est votre faute quand même. Ta gueule, ferme ta gueule, re-rentre. Une nouvelle espèce de blatte. Oh putain. Oh là là là. Et en plus, c'est même pas Mad Mary qui avait parlé, c'est que Tanaoui. Désolé, je confonds vos pseudos, ils sont de la même couleur dans le chat. Du coup, je lis que les messages, je lis trop vite. Navré. Une nouvelle espèce de blatte. Elle est grosse ta blatte, hein. Faut déménager, hein. Déjà, il faut nettoyer, puis il faut déménager après. Et brûler la maison en partant. À grand coup de cocktail Molotov. Et encore, c'est pas suffisant. Faut prendre un lance-flamme. Lance-flamme cocktail Molotov, là t'es bien. Avec un petit rocket launcher là, là on est bien, nickel. Par contre, stylé. Je sais pas ce que c'est comme planète ça, mais c'est stylé. Je suis en stress de fou, j'ai jamais eu autant de stress de ma vie depuis longtemps. Depuis Resident Evil 2. Depuis que j'ai dû acheter une bouteille d'eau, j'ai jamais eu autant de stress. Nique-toi. Ça va encore plus fort les effets sonores, hein. Ah, je m'y attendais. Niquez-vous avec vos musiques.
te jure, je te lui mets une bastos à l'alien. Il va rien piger, si tu veux. Il va rien capter. Évidemment, il est pas tuable. Bah oui. Sinon, c'est pas drôle. Oh merde. Il m'a spoté là. Je vous préviens, ferme les yeux hein, s'il m'a spoté, je m'en bats les couilles. Hein. Je suis caché, je m'en fous. Je suis caché, je m'en tape. Même pas, je me retourne, c'est bon. Je me retourne même pas. Bruit. Quel connard. Roman Mary. Je l'avais peut-être comme si j'allais voir par-dessus la rambarde, mais pas du tout. Je suis caché, je m'en tape. Baker. Moi aussi. Qu'est-ce que je dois faire? Oh merde, faut que je refasse. Oh sérieux? Pas grave. On va tout refaire les gens, c'est pas grave. Tout va bien. Tac 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 tac. Non, c'est pas le bon. C'est pas... J'arrive pas à réfléchir, c'est un enfer. Parfait. Ok les gens, on fait ça, on fuit l'alien, ok, et après je me stoppe. Je suis trop épuisé pour continuer pour 5M ce soir. C'est, ça va pas être la peine, je suis KO. Je suis KO. On voit pas bien parce que tu viens de mourir. Ah, c'est cadeau, c'est pour vos yeux ça. Ta gueule, putain! Pas de bruit! Toujours aussi stylé. Hein. Qu'est-ce que c'est beau!
Il a open la porte en 5 secondes. Allez, vas-y. Tendu, hein. Vraiment, c'est très tendu. Pillons ce putain d'alien de merde. Pillons-le, qu'on en finisse. Que je me barre de ce vaisseau, de cette station maudite à la con. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse en fait dans la région où il y a l'alien. J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse en fait? Juste que je le fuis? Signal sonore toujours plus fort, hein, bien sûr, évidemment. D'accord, il y a l'alien ici. Il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte. C'est de la merde, il monte. Il m'a vu à tous les coups. Tu m'as vu là, tu m'as vu, déconne zéro. Il me voit pas comme ça? Vite, j'ai pas le temps. Vite, j'ai pas ton temps. Putain, je suis en train... Nique-toi ! Bonjour! Ah bah c'est du Stone Zone sûr ici, y'a des gens! Hey, mon nom est Ripley, Amanda Ripley. C'est des robots ça! Veuillez vous asseoir, quelqu'un va vous recevoir très rapidement. Pas étonnant que Sixon soit en perte de vitesse. Ouch! Très bien. C'est une zone safe ici? On regarde plutôt bien vivre certaines choses. Faites confiance à nos lambda, toujours disponibles, toujours à l'écoute et toujours à votre service. Nos synthétiques sont conçus dans la simplicité. Pas de simulation d'émotion, pas de qualités humaines. Ils se contentent de travailler pour vous, afin que vous puissiez mener une vie plus tranquille et plus zen. Lambda, étonnamment simple. C'est pas une zone safe, on peut se cacher, c'est pas une zone safe. J'annonce. C'est pas une zone safe. Comment je fais pour craft? Ah d'accord, c'est comme ça. Ouais mais là j'ai... Ah si. Oh je peux en fait, c'est excellent. Ok, j'ai fabriqué un medikit. D'accord, j'ai compris le système de craft. Ok, j'ai compris. Du coup en fait je peux en crafter plein, je m'en crafter 5. Enfin, je vais me crafter la blinde que je peux. Ok, c'est bon. Je peux plus m'en crafter après ça. Ok, j'ai compris le système de craft. C'est bon, on a deux trucs supplémentaires. Très bien.
Je suis à la recherche d'un endroit pour sauvegarder si jamais ça existe dans le coin. Mais attends, faut que je mette au moins la purification de l'air parce que là, c'est le bordel. Ah, la purification de l'air est active. D'accord. Ok. Donc là, l'air est propre, là. D'accord. Porte fermée, d'accord. Très bien. On le vit bien, on le vit bien. Putain, mais le stress. Je suis pas redescendu hein, depuis tout à l'heure. Hein. C'est que je... On soit bien clair. Pour votre confort et par souci de sécurité, nos synthétiques lambda ont été conçus pour être reconnus du premier coup d'œil. Des études ont démontré que les consommateurs ressentent souvent une certaine gêne lorsqu'ils interagissent avec des humanoïdes avancés. Les lambda de Sixon sont facilement... Ils font peur. C'est pas normal qu'ils soient comme ça, eux. Bonjour. Je dois aller au contrôle des communications, c'est urgent. Il s'agit d'une zone interdite. C'est important. Vous voyez pas ce qui se passe? Apollo contrôle la situation. Votre enregistrement est presque terminé. Laissez tomber. Je me trouverai un chemin. Ok. Je vous le déconseille. Pardon? C'est une menace? C'est une menace? Ouais, je préfère. Ouais. Qu'est-ce que tu fais là? Tu me mets une prime, c'est ça? Tu me mets une prime? Bon. Arrêtons de faire des conneries. Qu'est-ce que... D'accord. Ça, c'est une zone plutôt safe ici, j'aime bien, c'est cosy. C'est un peu sombre, mais bon, en vrai, on s'en fout. C'est bien quand il fait sombre. Il y a moins de lumière. Hop, allez. Ça c'est pour moi. Et avec une batterie très mal limitée, alors que moi-même je suis batteur pro, hein, je rappelle. Une sorte de détecteur. Qu'est-ce que c'est que ça? Il a été trafiqué. C'est genre giga gros. La vache. Ça fait très Fallout hein, des fois. Hein. Maintenez espace. Oh. Fantomas est parmi nous tellement. C'est un détecteur à quoi ça? Y a-t-il un problème? Putain. Non, aucun. T'as raté. C'est un détecteur à Jean, d'accord. Putain, il m'a fait flipper le con. Putain. Alors. Bien. Marie, si jamais t'as ce message, je suis en route pour le centre de communication Sixon. Je ne t'ai pas réveillé parce que je savais que t'essaierais de m'arrêter. Ah. J'espère que tu comprendras, c'est notre meilleure chance. Quelqu'un doit rétablir les communications. Il faut qu'on fasse en sorte que le gouvernement sache ce qui se passe. T'inquiète pas, je vais revenir. J'ai pas l'intention de vous laisser tomber, Claire et toi. D'accord. Sur la porte qui menait à l'étage, je ne veux qu'aucun accident jusqu'à ce qu'on découvre ce qui cloche. D'accord. Accès à la porte. Forcer le mécanisme de la porte. Ah ah ! J'ai ! Qu'est-ce que je peux rerouter ici ? Strictement rien, c'est la même chose, d'accord. Par contre, c'est quoi que j'ai forcé? Je voyais un truc, c'est cette porte-là, d'accord. C'est celle qui fait le pass, très bien. C'est celle qui donne la nouvelle zone, je suppose. Je suppose que c'est ça. Et voilà, un save, très bien. Un poste de save, parfait. Nickel. Plus safe, vas-y. Bien! Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est clairement la prochaine zone. Ok, les gens. Eh ben écoutez, on a save là, c'est très bien. Merci YouTube du coup d'avoir assisté à ces premières VOD du coup de je sais pas en combien d'épisodes ce sera cut. D'Alien Isolation. On se retrouve pour la suite des épisodes un petit peu plus tard, j'ai pas de date à vous donner, mais bref, quand je les tournerai sur Twitch, vous le verrez de toute façon. En attendant, merci à tout le monde d'avoir assisté à Alien Isolation, et on se retrouve bientôt pour la suite de la série. Ciao, ciao!